Obviously. Salut! Alors Fred, il avait une bouteille de couleur dans les mains, puis là, il la laisse tomber à terre, puis elle se pète. Bravo champion! Hey! Wouh! Alors, le mois d'avril, il fait beau, il fait chaud, c'est vraiment le fun. On est le quoi aujourd'hui? On est le 13 avril, 13-14 avril, demain 14 avril. Là, je vais aller manger. On se retrouve plus tard. Salut! Bon matin, mes petits Canadiens. J'espère que vous allez bien. Hier, j'ai pas trop parlé. Là, ce matin, j'ai décidé de faire comme un journal à Rabillard il y a 2 ans, c'est-à-dire d'aller me promener un petit peu puis de filmer le matin, le mois d'avril, avec le lever du soleil. Moi, je trouve ça malade. Là, on entend la rivière, le ruisseau, il est là-bas, là. Le printemps, à chaque fois, on l'entend super fort, là. C'est vraiment nice. Il a pas l'air d'avoir de nuages partout. J'aurais aimé ça qu'elle neige un petit peu. Comme il y a deux ans, il y avait un petit peu de nuages. Fait que tu voyais le soleil qui reflétait dessus. C'était vraiment beau. Mais là, on va aller se promener en char, puis on va aller filmer des beaux petits paysages. C'est parti! Là, je suis à côté des deux maisons abandonnées. Il y a celle-là, là-bas. Une maison abandonnée depuis environ 1994. Mais il y a un voisin qui vient souvent pour les chevaux. Là, tu sais, il y a des chevaux, fait que, tu sais, on n'y va pas. Il nous a déjà chicané, d'ailleurs, parce qu'on est allé sur son terrain. Celle-là était abandonnée avant. Elle a été réutilisée par un dude. Mais le gars, il y a 5 ans... Ouais, ça va faire bientôt 5 ans, il s'est suicidé malheureusement, donc elle est abandonnée depuis, mais elle va se faire rénover, je pense, ou je sais pas trop. Là. Mais j'aime tellement le silence du matin ici avec les oiseaux. Donc on va aller plus par là. Là-bas, il y a une espèce de place. C'est super beau. On pourra voir le lever du soleil un peu. Ça va être vraiment beau. Hey, je suis content. La dernière fois que j'ai fait ça, c'était le journal érablière du 25-26 avril 2017. Là. J'avais fait à peu près la même affaire. Là. Puis je l'aimais, ce journal érablière-là, justement pour ça. Là, les oiseaux, la tranquillité, le mois d'avril. En tout cas, c'était vraiment beau, là. Je trouve ça nice, c'était des belles prises, fait que là, j'ai envie de faire la même affaire. Là. Même si c'est pas du scooter, d'action pis tout, là, je trouve ça fun de moi faire du relax là, pis que écouter la nature. Là. Puis en passant, je vais vous les montrer tantôt, mais j'ai des nouvelles lumières, elles sont vraiment malades, là, fait que je vais vous montrer ça tout à l'heure. Yes, pensez-vous à la même chose que moi? Moi, je pense à une affaire. Le belvédère de Saint-Malo. Yes, checkez-moi ça, le beau paysage. On va aller checker ça direct là.
Donc ici nous avons le super magnifique village Saint-Malo. L'autre fois c'était là-bas. Quand j'ai fait mon truc vlog compagnie de bois là, c'était par là-bas. Saint-Malo c'est ici justement. Saint-Isidore. Et là-bas, Saint-Isidore, où est-ce que je suis allé à Bière, c'est là-bas. Mais là, il y a le lever de soleil. Oh, que j'aime cette place-là. Écoutez-moi ce silence avec les oiseaux. Mon petit bébé. Oh. J'aime tellement ce place-là. Moi, là, j'aimerais avoir un chalet ici. Ouais, juste les rabillards là-bas, c'est cool. Mais oh, que j'aime ça. Saint-Malo, Saint-Isidore. Je le répète tout le temps, là, mais... Si vous avez rien à faire de votre été, maintenant, là, venez faire un petit tour ici, là, vous allez voir, là, c'est vraiment... Puis vous aimez la nature, là. Vous allez triper. L'église de Saint-Malo. Donc ici, nous sommes à la maison de mon arrière-grand-mère. D'ailleurs, j'ai souvent fait des vidéos ici. J'en ai fait un en avril, le 30 avril l'année passée, où on dormait là avec mes amis, puis qu'on est allé se promener la nuit. Comme je le disais, c'est une maison qui est vouée à se faire détruire. Là, il n'y a plus d'électricité, il n'y a plus de chauffage, rien. Fait que là, c'est rendu une maison abandonnée, si on veut. Mais moi, j'aime tout le temps ça, venez juste me voir ici. J'aime tellement ça, la place. Là. La maison appartient au voisin là-bas, fait que tu sais, ça se peut qu'il me voie, là, puis tu sais, il va pas savoir je suis qui, fait qu'il faudrait que je dise, là, mais. Ça, c'était la maison. Pour s'il y en a qui ont vu la vidéo, mais peu importe. C'est là qu'on dormait dans le salon. Je l'aime tellement, cette maison-là. Elle est plein de souvenirs. La Sainte Vierge à ma grand-mère qui s'illumine le soir. Le garage où est-ce qu'autrefois il y avait la Chrysler Intrépide. Puis ici, il y a la fameuse porcherie dont j'ai fait deux vidéos dessus. Il y avait ici un poulailler, puis là-bas une autre grange à moitié détruite. Il y a juste du bois maintenant. Ah oui, aussi, puis cette maison-là... Elle appartenait justement à mon arrière-grand-mère, mon arrière-grand-père. Mon arrière-grand-mère, elle vient de fêter ses 96 ans. Mon arrière-grand-père, il est décédé, il est dans le cimetière là-bas. Je vais vous montrer sa tombe. Tant qu'à aller par là-bas, on va aller voir le cimetière. Donc, voici la tombe à mon arrière-grand-père. Je viens d'y faire une petite prière. Il est décédé en 2012, mais ils n'ont pas encore marqué la date parce qu'ils attendent que ma grand-mère décède avant de l'inscrire. Mais il a vécu 91 ans, puis ma grand-mère, elle est à 96, là. Mais à chaque année, on vient ici se recueillir puis faire une petite prière à notre arrière-grand-père au cimetière de Saint-Isidore. Ce que j'aime moins ici d'habitude, c'est que le soleil il vient taper sur les collines là-bas, là. C'est super beau, mais là, on dirait qu'il veut pas sortir vraiment. On dirait qu'il est comme caché par des nuages un peu, fait que ça se produit pas. Là-bas, il y a l'église de Saint-Isidore. On va aller plus dans Saint-Isidore, là. Donc ici, l'église de Saint-Isidore. J'y vais tout à l'heure d'ailleurs, les dimanches.
Ici à gauche, il y a un parc. J'y allais d'ailleurs quand j'étais enfant des fois. Parce qu'il y a l'école de Saint-Isidore par là-bas. Ah, c'est tellement beau. Donc maintenant, je vais vous présenter mes nouvelles lumières que j'ai installées hier avec mon voisin Bertin. En fait, c'est plutôt mon voisin. Le genre de gars qui fait tout, genre full sympathique, full généreux. Là. En tout cas, il m'a aidé à installer les lumières. Il était vraiment pas facile à mettre. Ceux-là, c'était pas si pire, mais ceux-là, il fallait enlever le bumper, puis il fallait enlever des vis toutes rouillées. En tout cas, c'était toute une affaire. Mais elles sont vraiment belles. Je vous laisse un peu les regarder. Dites-moi ce que vous en pensez, là, mais moi, là, j'ai trouvé écœurantes. Pour vrai, elles sont vraiment nice. Le seul petit problème, c'est que j'ai pas de globe orange, fait qu'il faudrait que je m'en prenne, parce que regardez quand je mets mon clignotant, ça clignote blanc, fait que c'est pas très beau. Puis l'autre bord, le globe a brûlé pendant qu'on changeait de lumière, il faut que j'en achète un autre. Parce que là, il est brûlé, l'autre. Donc j'espère que vous avez apprécié cette vidéo, dites-le moi si vous avez aimé. J'aime vraiment ce village-là, ce coin de pays-là, c'est vraiment malade, je l'aime tellement. Me reposer ici des fois la fin de semaine, puis juste venir la fin de semaine, c'est super cool. Donc n'hésitez pas à mettre un gros like si vous avez apprécié. N'hésitez pas non plus à commenter, à vous abonner si ce n'est pas fait et que ça vous tente. Je vous souhaite une bonne semaine, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Bye bye!